vous avez porté, sous prétexte que c'est les influenceuses. Elles influencent quoi? Le ballon n'est pas les fesses. Monsieur, ils ont. Le ballon n'est pas les matos. Dis que la poitrine est encore bien. Quand nous vous le négligez parce qu'il n'est pas une femme. Mais on vous dit quelque chose. Un monument. Tu es comme mon bout. Un monument. Mais c'est canard. Hein? Le monsieur qu'on dit même que on ne l'enterre pas. Quelqu'un qui est mort, vous discutez le corps comme si le corps était encore vivant. On enterre là où on devait vouloir l'enterrer là. Les gens la payent quoi? Moi, je ne comprends pas. Dans le cas où on m'a un indicateur, je ne comprends pas. Mais comment pourquoi tu n'as pas sonné si vous avez autant là? Bon, je ne suis pas copique. Et il perdait quoi? Non, moi, je n'ai rien compris sur tout ça, grand. Je n'ai rien compris. Son, non, c'est ça, c'est la voiture de son. Ah, ma toi, son nom, c'est la voiture de son. Je ne sais si où il est en Côte d'Ivoire, où il est au Cameroun, bon, cassé. Rigo est rentré. Sa voiture fait quoi? Il n'est pas dedans. Je ne sais pas, c'est mon petit cassé, mais à Cameroun, quoi. Il a sélectionné les lions, il est rentré au Cameroun. Qui va contrôler? On voit comme ça qu'il nous a vu avant de fuir. Hein. Fuir comment? Alors, comme il sait désormais que les Camerounais le ciblent. Il a fui. Il n'a pas fui. Quelqu'un en Côte d'Ivoire. Et si de bonne humeur, quand tu es gonflé, roux. Quand tu es gonflé. Toi-même, tu es en train de déranger, grand. Tu vas dégonfler la roue de quelqu'un qui n'est pas là. Si ce n'est pas son, tu vas dégonfler sa roue. Autant que tu me promets à toi, son grand. Il n'est pas là. Qu'est-ce qui te prouve que c'est sa voiture, grand? Ah, ma toi, son grand. C'est sa voiture. C'est la voiture de son grand. En achetant où tu étais là, c'est sa voiture. Ah, ma toi, son grand. Voilà un truc de ces rastas dedans. Voilà un truc de ces rastas. Eh, hey, mes rastas, mais ce sont ces rastas. Ce sont. Le voilà qui sort dans les champs, grand. Ouais. Le voilà qui sort dans les champs. Hein? Ah, son. Ce sont, grand. Son. Les joueurs vont rêver. Avec la bière en main, son. Bonjour. Vous croyez que comme vous avez teinté la barbe en noir, vous avez même planté les trucs sur les joues. Vous croyez que nous, on ne peut pas vous remarquer? Est-ce que tu sais que tu as failli tuer, donner l'attention aux Camerounais? Mais Grand King, ce n'est pas normal. Akapong, ce n'est pas normal. Te voilà qui sort du champ. Je suis sûr que tu viens comme ça vérifier tes terrains. Les terrains qu'il a achetés avec comme, quel argent? Tu viens vous... comme ça vérifier tes terrains. Avec la bière en main grand. Mais c'est la sœur. C'est l'argent du contribuable que vous utilisez. Pour payer ce terrain-là. Il y a un seul truc qui m'énerve, grand. Tu bois, tu prends le poids, d'autres maigrissent. Voilà ça, voilà un ça. Un seul truc qui m'énerve. Il ne parle même pas du match contre le Nigeria. Attends, de quoi vous parlez, monsieur? Je parle du Cameroun. Vous coachez quoi? Tu as dit même que tu es sélectionnaire et non coach. C'est le sélectionnaire. Mais tu étais au banc. C'est le sélectionneur, oui, ouais. Voilà la bière à main. Le mec qui. Tu as dit que tu es sélectionneur, donc tu n'es pas coach des Lions. Ah, je vous comprends maintenant. Écoutez, ne cherchez pas à me comprendre. Je vous ai supporté quand vous étiez joueur. Capitaine Courage, nous on vous a appelé comme ça. Voilà un Gando que vous avez abandonné au stade. Puis il y a un Gando stade. Toi, te voilà au Cameroun, t'es en train de superviser ces chantiers. Gando est où? Il va marcher à pied pour arriver au Cameroun. Gando est où? Gando Piquet. Numéro 1 depuis les années. Donc... chacun a son talent. Puis on croit le corps. Puis on le corps. En fait, monsieur, c'est pas une confusion par hasard. Vous confusion que... comment quand c'est toi son? Non, confusion, c'est pas toi son. Non, c'est pas moi. Voilà les cheveux teintés. Monsieur, doucement, s'il vous plaît. Doucement. Attention. Gang. Ça, c'est la malhonnêteté. Réponds cette fois la pierre que tu as en main. Ça, c'est la malhonnêteté, gang. Allons-y. On dit que fais ce que si on te fait, ça va te plaire. Attends, est-ce que tu sais que par rapport à ce pays, on avait brûlé la maison? C'était Wemelin. C'est ça, hein, Wemelin. Bon, madame, monsieur, c'est pas moi. Tu as eu le talent pour jouer au foot. Ce n'est pas toi. Gando a eu son talent du ventre. Tu peux avoir le même ventre que Gando secoue au grand. Le voilà, il tape les mains qu'il veut rentrer, non? Moi, Gando a donné en Côte d'Ivoire. Allez, Agambine, il dit qu'il veut rentrer. Vous avez trinqué les cheveux avec l'argent du pays. Voilà ça, aïe. Monsieur, avec tout le respect, c'est... Mangez la chaîne, nous mangez les os. Mangez la chaîne, nous mangez les os, grand. Nous, on a toujours supporté. J'ai pris les 10 000 francs pour acheter le maillot. Mangez la chaîne, nous mangez les os. Les maillots qu'on vendait à 1 000 francs, vous avez haussé les prix, nous, on a acheté.
Puis femme cuit. Monsieur, veuillez m'écouter, s'il vous plaît. C'est vrai, j'étais en Côte d'Ivoire, mais c'est pas moi le sélectionneur, c'est pas moi son. Je suis son petit frère, c'est ce que vous expliquez. C'est la complicité. C'est la complicité, c'est la complicité. Si tu es petit, c'est le sang suit la veine. Tu penses que tu n'as pas le sang de son. Tu n'as pas le sang de son. Bien sûr que j'ai son sang. Mais ce n'est pas la complicité. J'ai tu es dans la voiture, tu es dans les champs pour vérifier le chantier avec l'argent de qui est un cabot. Tu prends l'argent pour payer le terrain. Tu travailles quoi? Tu es son petit frère, tu fais quoi dans la vie? Je fais les affaires, monsieur. Quelle affaire? Voilà, papa, défaut, les affaires. Monsieur ingénieur. Ingénieur. Te voilà qui tu m'as acheté. Qui n'a pas eu le BPC, fait les jeunes des ingénieries. Avec tout le l'argent des Camerounais, tu marches, tu as le bas dans ta voiture. Entre temps, nous sommes comme ça, un deuil. Ou un pauvre, on refuse d'enterrer un pauvre à cause d'un petit bassin de terrain. Mais le terrain partout au Cameroun, c'est vous. Voilà Gando Piquet. C'est Gando Piquet qui m'énerve. Gando Piquet laissé en Côte d'Ivoire. Monsieur, il était en Côte d'Ivoire. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Même avec la bourrette, on va aller le chercher grand. Moi-même, j'étais en Côte d'Ivoire, mais moi, je ne l'ai pas mais vu. Mais te voilà au Cameroun, tu contrôles les chantiers. C'est pas ça le problème. Avec l'argent de qui? Dis-moi, si je savais, si j'avais su un instant que Gando est en Côte d'Ivoire, moi-même, j'aurais fait quelque chose pour lui. Pourquoi vous voulez détruire le pays ici? Fais ce que si on te fait, ça va te plaire. Pourquoi vous voulez détruire le Cameroun? Fais ce que si on te fait, ça moi, va te plaire. Moi, j'ai rien à y voir avec le coup. Moi, je n'ai su que le petit frère. Tu n'as rien à y voir alors que ton, tu dis que c'est son qui est ton grand frère. Mais c'est mon grand frère, c'est pas moi. Non, quand tu portes le feu, tu pars au grenier pour mettre au grenier. Tu crois que le grenier va se brûler. Toi, tu vas sortir vivant. Faites le grenier se brûle, toi-même, tu vas te brûler. Ça vous plaît. Le grenier se brûle, toi-même, tu vas te brûler. Voilà Gando Piquet là-bas encore, tu vois. Je ne savais pas que Gando est en Côte d'Ivoire. Si je savais qu'il était en Côte d'Ivoire, c'est que moi-même, j'allais faire quelque chose pour lui. Et en parlant même, je ne comprends pas comment Gando est en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Tu as le pouvoir, moi, tu peux faire. Pourquoi vous êtes d'abord allé en Côte d'Ivoire sans appeler Gando? Non, mais monsieur. Est-ce que vous savez que comme les lions sont entrés dans l'histoire de ce pays, Gando aussi est entré dans l'histoire. Même pas expédition, grande faute, même pas expédition, Gando pouvait arriver. Mais ils ont trouvé un moyen de l'abandonner. On ne refuse pas, monsieur, regardez aussi. À tes poids, à tes poids, mettez au coup par il faut qu'on accepte la vérité. Mettez au coup par haut. Regardez son âge. Dis à ton grand frère, comme tu dis que ce n'est pas toi là, dis à ton grand frère, s'il est sage, il nous fait un truc. Sinon. Les réseaux sociaux vont nous entendre. Je peux dégonfler ça. Ça, c'est la voiture de son que tu as porté. C'est la voiture de ton grand que tu as porté. Monsieur, est-ce que vous savez qu'un coup de fil, je vous en... Tu ne peux rien nous faire. Nous parlons pour le Cameroun. Appelez trois coups de fil. Voilà qui boit la bière. Attends, je bois un peu. Non, je t'en ai manger. C'est ma bière que vous buvez. Et ta bière, tu fabriques la bière? Ça, c'est la bière de l'agent des joueurs. Dis ton frère, un tu m'as averti. Un camé joueur, ce n'est pas ta bière. Ça, ce n'est pas ton agent. Oh, c'est pas dis-lui de nous faire un truc. Si le truc n'arrive pas, ou bien un bon pio. Non, normalement. Mais c'est canard. Normalement, quand? Au calga. Au calga. Dis à ta famille comme ça. Non, ah, désolé, il dit qu'il est désolé. Quand les faits sont déjà passés. Il fallait être désolé quand c'était au début. Sauf que je suis. Non. Gang. Donc, Faites tout pour que Gando rentre au Cameroun. Faites tout. Je vous préviens encore. Que Gando ne peut pas te peigner. Mais ça va devenir autre chose. Non, normalement. Non, on veut Gando au Cameroun. Normalement, Gando. Il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il est arrivé en Côte d'Ivoire par quel moyen, s'il vous plaît? Mais ça, c'est les avis de ton grand frère que tu portes. Ce sont mes vêtements. Mes vêtements, moi, il fait il a vu en Côte d'Ivoire par quel moyen? Tu voulais qu'il arrive par quel moyen? Par boîte de sardines? Monsieur, s'il vous plaît, reculez d'un pas. Reculez, ne m'occupe pas. Tu veux faire la brutalité avec mon grand frère? Tu veux faire la brutalité avec mon grand frère? Je suis personnalité. Non. Je ne voudrais pas qu'on arrive là-bas. Fais ton grand frère, fais tout pour que Gando rentre au Cameroun. On a perdu la canne, mais on ne doit pas perdre les hommes. Fais tout pour que Gando rentre au Cameroun, grand. Gando, peut-être. Monsieur, c'est qu'est-ce que vous avez gagné? Donne la clé de la voiture. Naki, ma toi-même, je donne la clé de la voiture. Prends la clé. Fais tout pour que Gando rentre. Monsieur, maintenant, c'est l'agression. C'est une agression. Un monument, vous l'abandonnez là-bas. On y est, il va marcher à pied. Il a fait le machin, la résistance. C'est un symbole. Il a fait la résistance jusqu'il va marcher à pied. Ah, il n'est pas ça. J'ai saisi ce non, que vous il faut être conscient dans la vie. Il faut être... Mais faites attention. Il est là tout. Faites attention avec votre truc là. C'est saisi, monsieur. Tout ce qu'on vient vous faire comprendre, on ne fait même rien. Faites tout pour que Gando rentre au Cameroun. C'est le vert, rouge et jaune. Un papa qui n'a même pas la résistance. Vous l'abandonnez en Côte d'Ivoire. Vous avez amené les influenceurs. Qui n'a pas la résistance. Il fait donc. Écoute. Ça part au même.
Vous avez amené les influenceuses. C'était sous quel critère? Monsieur, je suis quelqu'un de réfléchi. Vous avez amené les influenceuses en Côte d'Ivoire. Qui dit que tu es quelqu'un de réfléchi? Tu réfléchis. Les filles que vous avez amenées, c'était parce que vous voulez dormir avec eux, non? Non, le problème, c'est qu'ils ont encore le sang chaud. C'était pour supporter. Gandou n'a pas le sang chaud. Gandou n'a pas le. C'est lui qui a le ventre, il secoue. Mais il est fatigué. Vous ne voyez pas qu'il est fatigué? Et il fait quoi là-bas s'il est fatigué? Ah, pourquoi je ricale? Il fait quoi là-bas s'il est fatigué? Vous avez la chance. Je ne peux pas avoir au moins la clé de ma voiture. La vous clé avez... de la voiture, non. La voiture, si tu as dit... Quand Gandou est au Cameroun, tu nous appelles, on vient te remettre la clé de la voiture. Maintenant, on va agir comme ça au Cameroun. Si c'est ma voiture, vous connaissez. Grand frère, c'est pas ma voiture. Va lui dire. Vous êtes en clé de chercher. Écoutez les voici la clé. Voici la clé. On a pris. On va agir comme ça désormais. Vous avez porté les influenceuses. Elles influencent quoi? Le ballon n'est pas les fesses. Monsieur, ils ont... Le ballon n'est pas les matos. Dis que la poitrine est encore bien. Gandou, vous le négligez parce qu'il n'est pas une femme. Mais on vous dit quelque chose. Un monument. Puis comme mon pou. Un monument. Mais c'est canard. Hein? Non. Mais bref, Samba, je vous il assure faut être que. Réfléchi. Non, nous, on l'a fait. Il faut être réfléchi. Ok, monsieur, j'ai compris ce que vous avez dit. Je vais faire appel à mon grand frère qui est Eric. Appelle maintenant. N'appelle, ne fais pas appel maintenant. Écoutez, s'il vous plaît. Ton est pas fort. Ton est pas fort. Vous, avez, vous avez raison sur toute la ligne. Je vais faire appel à mon grand quelle frère. Ligne? Quelle ligne? Président également. Quel président? Président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o. Là, on va tout faire pour que Gandou retourne. Il connaît que tu es en train de... Il pouvait parler même de Samuel Eto'o, mais tu sais ce qui fait qu'il ne parle pas de lui. Non, Gandou... J'ai peur! Samuel Eto'o connaît que... peur. Qu'il est en train de contrôler le terrain quand les influenceurs sont... J'ai seulement peur! Et que tu lances les mots. Vous avez raison, Gandou a beaucoup fait pour ce pays, pour les lions. Ça, on va se battre pour qu'il retourne au pays. Battez-vous, c'est normal. On va remettre alors les clés du véhicule. Attends, quand Gandou serait au Cameroun. On va remettre la clé. On va remettre la clé, on part avec. Gandou, l'autre somme, les natures. Tu vas prendre la moto. On ne remet pas la clé. Oh, le quoi si. Oh, le quoi. Tu vas prendre la moto comme on a l'habitude de prendre. Alors, comme ça dans rien, tu ne meurs dans rien, hein. Si c'est le même sang, ça c'est la complicité. Ça c'est l'argent des Camerounais qui vous payez les terrains avec. Bon, Gandou, l'autre somme. Gandou, l'autre somme, les natures. On ne donne pas la clé là. Si Gandou ne rentre pas, pousse-tu pas avec. Pousse-tu pas avec son ongle. Allons. Pousse-tu pas avec. Non, Gandou, ça c'est la malhonnêteté.